La conférence en français, but the slides are in English. And so if you speak English and the text is not enough for you to understand what I'm saying, raise your hand, ask, and I will translate the French. So I will speak French, even though I prepared the presentation in English. Donc j'ai un grand projet qui date du Perle QA Hackathon du mois d'avril dernier à Vienne. J'ai parlé avec plusieurs personnes et on est arrivé à l'idée d'utiliser Git pour ça. Le problème c'est que pour l'instant je veux pas trop parler du projet. Mais pour ce projet, j'ai besoin de contrôler Git depuis Perl, avec un contrôle complet du dépôt et des objets dans la base. Donc c'est vraiment tout le contrôle sur Git. Mais il n'y a pas de libgit. On peut pas, il n'y a pas de librairie pour s'interfacer avec la base d'objets Git. Donc les connecteurs vers Git sont toujours des wrappers autour de la ligne de commande. Alors, question pour vous. Combien il y a de commandes dans Git? Non, mais toi, tu as vu les slides. Quelqu'un veut essayer? Alors, je crois qu'en fait, toutes les réponses sont bonnes, ça dépend de comment on détaille la question. En fait, il y a 132 commandes dans Git, dont 4 sont dépréciées. Il y a énormément de catégories de commandes. Dans le source de Git, c'est commande-list.txt. Et en gros, ça se répartit comme ça. Donc, on a 21 commandes de porcelaine qui sont vraiment communes. Et voilà tout le reste. Et je suis même pas sûr de comprendre tout ce que les catégories sont. Git SVN est là-dedans. Git format patch aussi, je crois. C'est pour parler avec d'autres SCM. Bref, il y a deux principaux types de commandes. La porcelaine. Donc c'est haut niveau et c'est ce avec quoi l'utilisateur parle. C'est ce que Tom vous a montré, je pense, pendant sa présentation. Donc c'est ça, toutes ces commandes-là. Voilà. Donc elles sont toutes intéressantes à connaître. Et il y a le plumbing, c'est vraiment une métaphore de chiottes, hein. Qui sont des commandes de bas niveau et qui parlent directement au dépôt. Donc, les voilà. Et évidemment, il y a les 90 autres commandes. Alors, mon problème, c'est que je ne sais pas encore, pour mon projet secret auquel je vous ai parlé, je ne sais pas encore quelles sont les commandes dont je vais avoir besoin. Donc, je ne veux pas me limiter à un certain nombre de commandes, je veux vraiment pouvoir tout faire. Alors, j'ai défini mes besoins, qui sont assez simples. D'abord, je vais pouvoir appeler n'importe quelle commande Git. Je veux un projet qui soit disponible sur CPAN, pour un certain nombre de raisons que je vais expliquer après. Et je veux pas de problème avec chdir, c'est-à-dire qu'en général, comme pour piloter Git, on lance Git en ligne de commande, et que par défaut, Git travaille avec le dépôt qu'il va trouver autour de son répertoire de travail. Il y a plusieurs stratégies, mais en gros, on fait toujours un chdir et fork exec. Mais des fois non, et donc des fois c'est un peu le bazar. Donc c'est l'idée d'être que mon programme n'ait pas à se préoccuper du répertoire où se passe, du répertoire où se trouve le dépôt Git. Comme ça, je suis tranquille. C'est pas mon problème. Il est quelque part, je te l'ai dit, maintenant tu le démarres. Alors, j'ai commencé par regarder ce que les autres avaient fait, parce que en bon programmeur Perl, je suis paresseux, donc d'abord regarder. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui existe déjà que je pourrais utiliser? Après, vous allez voir que aussi, comme un bon programmeur Perl, je suis orgueilleux, donc je l'ai fait moi-même. Alors, PriorArt, il y a git.pm qui se trouve en fait dans le dépôt, c'est le binding, enfin c'est pas vraiment un binding, enfin, c'est un connecteur écrit en Perl pour parler à Git et qui est fourni avec Git, parce qu'il y a un certain nombre d'outils Git qui étaient ou qui sont encore écrits en Perl. Un d'entre eux par exemple c'est git cvs import qui permet d'importer un dépôt cvs dans Git, en fait c'est une couche Perl. C'est un problème. Alors, oui j'avais la flemme de faire des trucs qui défilent, donc j'ai tout mis ma couche. Donc on peut appeler n'importe quel git commande avec git.pm, mais l'interface est assez complexe, il y a genre 10 manières différentes d'appeler une commande.
Elle est incohérente parce que la commande git commande bidi, enfin celle qui permet de parler, de lire sur stdout, mais aussi d'écrire sur stdin, n'a pas la même interface que toutes les autres. Donc c'est pénible. Il n'est pas sur CPAN, et ne pas être sur CPAN, c'est un problème, parce que ça veut dire que quand vous avez un projet en Perl qui va dépendre de git.pm, vous n'allez pas pouvoir facilement dire j'ai besoin de git.pm. Alors vous pouvez toujours le mettre dans vos dépendances, mais le problème c'est que si jamais le Perl qui est utilisé pour faire tourner ce programme ou pour tester ce programme chez les CPAN testers n'est pas le Perl du système pour lequel a été installé git.pm par votre distribution. Enfin, typiquement, c'est ce qui se passe quand on installe Git sous Debian. Git.pm est installé, mais il est accessible que par le Perl du système. Et si vous avez compilé votre Perl dans votre coin, git.pm, vous l'avez pas. Alors que Git est installé, etc. Donc c'est un peu pénible. Alors que là, si le module est disponible sur CPAN, et ben vous l'installez pour votre propre Perl et c'est fini, vous parlez avec Git. Et voilà. Il fait quand même le chdir avant d'exécuter les commandes, sauf quand il ne le fait pas, qui est le cas de la git commande bidi, qui est la seule qui ne marche pas en faisant un fork plus exec. Enfin, il le fait mais autrement et du coup il saute pas, il fait pas le chdir, donc c'est la merde avec les répertoires. Alors sur CPAN, il y a git class qui est écrit avec mousse. Alors j'ai mis un égal parce qu'en fait j'ai pas d'avis sur mousse en tant que tel, donc c'est bien, c'est pas bien, ça rentre pas dans mes critères. Par contre, il a des rôles que pour les commandes de porcelaine, donc les 21 commandes dont on a parlé. Il peut quand même appeler n'importe quelle commande git, mais du coup, c'est à moi de savoir si elle est porcelaine ou pas. Il est sur CPAN, et par contre, il fait son chdir à la création de l'objet qui représente votre dépôt git. Ce qui, je sais plus pourquoi, c'est pas bien. Enfin, je cherchais un. Enfin, comme ça, il a des moins. Comme ça, je peux faire le mien après. Voilà. Git wrapper peut appeler n'importe quelle commande git. Et là, il le fait avec autoload. Donc, quand vous lui passez le nom d'une commande, il va essayer de la trouver. Et si c'est une commande qui n'existe pas, ça va vous péter à la figure. Par contre, et ça, c'est le gros problème, il ne peut pas écrire sur l'entrée standard. Donc, ça nous coupe d'un certain nombre de commandes de plumbing pour lesquelles on a besoin, enfin, typiquement git commit tree, qui prend sur l'entrée standard le message. Donc, c'est un peu compliqué. On ne peut pas. Il est disponible sur CPAN et il fait. Pourquoi j'ai mis un moins, c'est un plus. Il fait le chdir avant le changement de mot. This is a plus at the bottom. It does what it should. En résumé, voilà, il y a du rouge dans toutes les colonnes, donc maintenant je peux écrire le mien. Le mien, évidemment, il est vert dans les trois colonnes. My tools column is green everywhere. Donc, j'ai dû écrire le mien qui s'appelle Git Repository. J'avais commencé en essayant de copier l'interface de la commande git flèche repository de git.pm. Et puis il y avait tellement de magie que je ne comprenais pas que j'ai renoncé, j'ai fait un truc simple. Voilà. Avec une interface simple. Donc il n'y a pas 8 ou 9 commandes pour appeler une commande git. Un objet git repository, c'est finalement un contexte dans lequel vous allez travailler avec git. Un contexte pour exécuter des commandes git. Alors, un des principes de Perl, c'est les choses simples doivent être faciles et les choses complexes devraient être possibles. Évidemment, pour moi, c'est au moins quand j'ai commencé, la porcelaine devrait être simple et le plumbing devrait être possible. Il se trouve qu'en fait, tout est simple. Et donc, j'ai même des commandes. Enfin, mon interface a 4 commandes et il y en a une qui sert à rien. Donc, si vous n'avez pas besoin de contexte, c'est-à-dire que vous voulez lancer Git comme vous le lanceriez sur le répertoire courant. Il n'y a pas besoin de créer le contexte. Vous utilisez la classe directement, donc les méthodes, vous allez utiliser comme des méthodes de classe. Alors, un exemple, pour créer un nouveau contexte, on crée un objet Git Repository. On lui dit optionnellement où est le Git dir, donc c'est le dot Git qui est dans vos dépôts Git. On lui dit où est le worktree. Si on lui dit rien, il cherche dans le répertoire courant un point git, enfin il va plutôt prendre le point git que git lui-même trouverait si vous le lanciez sur la ligne de commande. Pareil pour le worktree. Et si vous lui donnez que le git dir, il va essayer de deviner où est le worktree, qui en général est juste au-dessus, donc c'est facile. Et si vous lui donnez que le worktree, bah, il peut demander à git où est le git dir. Donc,
Il y a 4 cas possibles d'appel et tout se marche. C'était beaucoup plus facile que de refaire ce que les mecs avaient fait dans la GitHub. Et des options qui sont dans un href. Et donc voilà l'interface complète de l'utilisation. Ça me fait penser que j'ai oublié de présenter une commande. Donc, lancer une commande, on passe donc, le tableau add commande, par exemple, si vous voulez faire un git log, le premier mot de la liste sera le nom de la sous-commande git. Vous n'avez évidemment pas besoin de dire git machin, vous faites juste run, log et les paramètres. En contexte scalaire, ça vous renvoie l'intégralité de la sortie dans une chaîne avec des sauts de ligne au milieu et tout. Et dans le cas d'un contexte de liste, ça vous renvoie les lignes, ça vous renvoie la liste des lignes de la sortie sans saut de ligne à la fin, parce que de toute façon vous allez l'enlever, donc on le fait pour vous. Et la dernière, donc au lieu d'utiliser run, on utilise commande, ça vous renvoie un objet git repository commande. Alors qu'est-ce que git repository commande? Commande 2. C'est le cheval de trait de git repository, en fait, workhorse. Donc c'est lui qui fait le vrai boulot, qui fait le vrai travail dans Git Repository. Donc, si on le lance comme ça, ben il n'a pas de contexte, donc il va travailler comme si vous lanciez Git directement sur la ligne de commande. Vous pouvez lui donner un $R, qui est donc un objet Git Repository, qui va cette fois-ci donner le contexte à votre commande. Alors, par divers trucs, en fait, le R il peut être n'importe où, y compris à l'intérieur de @commande. Le premier objet de type Git Repository qui va se trouver dans la liste des paramètres, le premier dans la liste des paramètres sera pris comme l'objet Git Repository sur lequel on travaille et donc qui va vous donner dans quel répertoire se trouve la base d'objets, etc. Et enfin, on peut passer des options qui, pareil, on peut les mettre n'importe où, ils se débrouillent tout seuls. De toute façon, le contenu de @commande, c'est forcément des chaînes. Donc le reste, si on y a un href, c'est forcément des options. S'il y a un objet Git Repository, c'est forcément un contexte. Donc c'est assez facile avec grep de trouver ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet Git Repository Commande? À la base, c'est un hash avec comme accesseur, ça vous donne accès à 3 file handles, l'entrée, la sortie et l'erreur standard de la commande Git qui a été lancée. Ça vous donne le pip. Il n'y a pas trop grand-chose d'autre que je pouvais donner, alors j'ai tout mis, quoi. Quand vous avez fini de travailler avec, vous le fermez explicitement. Et quand il a fini de travailler, il vous donne les infos du signal fils, donc le statut de sortie, le signal, s'il a été tué par un signal, et éventuellement le fait qu'il a fait un cordon. Alors tout à l'heure, quand j'ai montré la commande run, en fait, de manière transparente, elle appelle git repository commande, elle récupère la sortie, et elle vous renvoie juste la sortie. Ça meurt correctement quand git est très bien fait, donc le statut de sortie vaut 128, vous avez fait une erreur fatale, 129 quand il vous renvoie le message d'aide. Et puis 2-3 autres, mais il y a certaines commandes qui renvoient un statut 1 et qui ne se sont pas plantées pour autant. C'est juste, elles communiquent avec vous avec la sortie d'erreur. Donc, il ne faut pas considérer que si la sortie d'erreur est différente de 0, c'est une erreur. Les vraies erreurs fatales, c'est 128 et 129. Donc, fatale 128, usage 129. Voilà. Et donc, comme c'est un objet, mon Git Repository commande, quand il sort de... Quand il sort du scope, il est destroy, et c'est à ce moment-là, en fait, commande close est appelée dans le destroy, ce qui va fermer tous les file handles et éviter d'avoir des zombies partout. Donc, j'ai pas arrêté de parler des options. Qu'est-ce que c'est les options? Oops. Il y a 4 options possibles pour Git Repository. Donner le chemin du binaire Git, ce qui vous permet de travailler avec, enfin, je sais pas quel genre de besoin vous pouvez avoir. Moi, ça m'intéresse pas trop, mais on pourrait dire à Git Repository de travailler sur le même dépôt avec plusieurs binaires Git différents. Par exemple, en passant l'option Git au constructeur Git Repository New, Git, et voilà le binaire. Donc, il y a ce qu'il faut pour vérifier que c'est bien Git qui tourne ou un truc qui ressemble suffisamment à Git. C'est-à-dire qui en gros répond Git quand on lui demande Git version. On peut forcer le répertoire de travail. Donc, le chdir dont je parlais tout à l'heure se fera dans ce répertoire avant de lancer la commande. On peut spécifier un environnement qui va cacher l'environnement local, donc avec l'exemple typique de changer l'auteur ou changer la date. Et on peut passer
les données qui seront rentrées sur l'entrée standard. Alors évidemment, si vous faites ça sur votre dépôt, c'est un peu une connerie, ça veut dire à toutes les commandes, vous leur écrire quelque chose sur l'entrée standard. C'est un peu idiot. Mais on peut le faire. Mais ça sert à rien. Voilà. Les options, on peut les passer à n'importe quel moment. Donc je disais, on peut les passer à l'objet repository. C'est des options globales qui seront lancées à toutes les, au lancement de toutes les commandes. Et on peut aussi les passer à l'objet à la méthode run, voilà, ou à l'objet ou à la méthode commande. Et à ce moment-là, elles seront fusionnées avec les méthodes, avec les options déjà définies dans le repository d'une manière logique. C'est-à-dire que les trucs les plus récents vont cacher les trucs les plus anciens. Donc on peut éventuellement changer de binaire git pour une commande, juste pour voir, par exemple. On peut faire. Donc on peut le faire, comme je disais, à la création de l'objet. On peut le faire au moment de l'exécution d'une commande ou directement quand on récupère, quand on appelle finalement la méthode sous-jacente. Alors, il y a une chose dont j'ai oublié de parler, c'est la commande create, qui en fait est une commande à laquelle vous allez passer une commande git type init ou clone, et qui va parser la sortie de cette commande pour trouver où se trouve le point git. Que c'est ce que fait git init, il vous crée un point git quelque part. Donc là, il parse la sortie, il récupère le nom du point git et il vous renvoie un objet git repository qui pointe vers les bonnes choses. C'est une commande un peu fragile, surtout maintenant que git va être internationalisé, traduit dans plusieurs langues, parce que Maregex maturera plus. Et ça vient du fait que git init est une commande de porcelaine et donc c'est fait partie des 20 commandes qui seront traduites. Toutes les commandes de plumbing, par définition, puisque c'est des choses qui sont faites pour parler à des programmes, ne seront pas traduites. Donc voilà, git repository create, ça existe, mais en général, enfin, le dépôt, on ne le crée qu'une fois. Hein, c'est pas hyper utile, mais c'est vraiment là pour être complet. Donc, git change beaucoup, change très vite. Il y a des nouvelles commandes qui apparaissent tout le temps. Par exemple, git init a été rajouté en. Oh, j'ai dit. En 1.6.0, il y a des nouvelles options qui arrivent tout le temps. Par exemple, git init dir a été rajouté en 5.6, en 1.6.5, c'est-à-dire que quand vous faites git init, avant cette version-là, ça va forcément créer la base dans le répertoire courant. Moralité, n'importe quel programme non trivial que vous allez écrire va avoir besoin à un moment donné de vérifier que le git que vous utilisez a bien toutes les features dont vous avez besoin pour faire tourner votre programme. Donc, il y a une option, il y a une fonction version qui, depuis ce matin ou hier, je ne sais plus, marche avec des options. Parce que quand j'ai testé pour voir, bah, ça ne marche pas. Ce sera dans la prochaine version qui sera sur Cepan bientôt. Live démo. Donc, en gros, ça prend tous les binaires git que j'ai installés là et ça me donne la version du binaire qui se trouve à cet endroit-là. Donc on voit vraiment. J'aurais pu faire ça en moins de lignes d'ailleurs, mais bon, c'est bon. Et donc si on exécute, tadam, on a 45. Parce que j'ai testé beaucoup ce logiciel. Alors, live demo, c'est fini. Il faut que je revienne. Alors, maintenant, c'est l'heure du quiz. Comment? Donc, parce qu'on parlait des versions, mais c'est pas si facile que ça de comparer les versions. Laquelle est la plus grande? La première. Et là, un peu plus difficile. La première, les releases candidates, c'est avant les sorties. Alors pourquoi? Parce que si vous vous souvenez de la sortie de git describe, il y a l'ID du SHA, le nombre de commits après le tag. Donc c'est 236 commits après la version 1.7.1. Donc, alors évidemment, ça marche chez moi. Voilà, donc 1.7.1, c'est plus petit que 1.7.1.236, point G quelque chose. Donc ça veut dire que, il faut faire un peu attention quand on analyse les numéros de version. Première. Oui, parce que bah, 211, c'est plus grand que 211. Piège. 209, c'est plus grand que 1.
Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. 209, c'est plus grand que 1, mais le tag c'est 1.1, 1.7.1, alors que ici le tag c'est 1.7.1.1. C'est plus grand que 1.7.1. D'accord? Facile. Donc 1.7.1, c'est plus grand ou plus petit? C'est plus grand. Parce que ça, c'est un tag par rapport, c'est une version par rapport à la 1.7.1. Bon, pour ça, c'est pareil. Et alors, ces deux-là qu'on vient de voir, laquelle est la plus grande? On ne peut pas savoir. C'est deux commits qui sont enfants du même commit parent. Donc, pour résumer, l'ensemble de toutes les versions de Git n'est pas totalement ordonné. Vous ne pouvez pas prendre deux versions de dev de Git qui n'est pas totalement ordonné. En fait, c'est les versions de dev. Hein. Pour les versions normales, on y arrive. Donc, j'ai des opérateurs de comparaison de versions qui sont tout ça. Plus petit que, plus grand que, plus petit ou égal, plus grand ou égal, différent. J'avoue que égal est assez facile à coder. Ah bon? Donc, vous avez remarqué que c'est une comparaison qui se fait qu'avec un seul opérateur, qu'avec une seule numéro de version. Évidemment, c'est une méthode de Git Repository, donc l'objet à gauche va fournir le contexte pour comparer la version. Donc ça, c'est la version que vous voulez tester. Est-ce que j'ai un exemple sous la main? Non. Enfin bon, c'est évident qu'on fait $R flèche version LT, flèche version GT, un point quelque chose, et puis après vous faites un... Oui, bien. I think that the code itself, what it does is, I mean, naively you could compare those. You just say, okay, this string is smaller than this string. And I think that's the end result. So be careful. Yeah, but I mean, it's really the only version that are not comparable with this one are just the siblings. So it's a very little number of versions in the tree itself, in the huge tree that Git is. So usually you stop here and say, okay, I want 1.6 and it's 1.5, so try something else. Alors, donc ça c'est Git Repository. Ça sert à manipuler Git pour faire des trucs intéressants. Et donc je vais vous montrer des trucs intéressants. Alors, ce qui m'intéresse dans Git, ce qui me fait vraiment fantasmer, c'est le fait que les commits dans Git sont organisés comme un graphe orienté, acyclique. Donc on peut représenter des arbres en particulier avec, et pas seulement. Alors, voilà, donc le but c'est de faire des fractales. Alors je vais. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le graphe de Kélé? Non. Vous imaginez un point, et de ce point vous faites pas, vous connectez quatre points en croix. Et à l'étape suivante, à chacune des feuilles de votre arbre, vous rajoutez trois feuilles. Donc si on fait tourner ça indéfiniment, ça fait un motif fractal. Qu'on construit itérativement en faisant étape par étape, un point, les quatre enfants, chacun des enfants, on rajoute trois enfants, etc., etc. Ce qui fait qu'après, sur l'image finale, quand on a été au bout des itérations, chaque point a quatre voisins. Alors, dans le cas particulier, ce sera orienté. Alors, une méthode node, qui vous voyez est assez courte, qui crée un nœud avec un arbre qui est en fait l'arbre vide, donc un commit sans aucun fichier, et qui lui donne comme parent les parents qui sont dans le tableau parent. Le tableau parent.
Et puis après, ça met à jour la branche pour pointer au bon endroit. Et après, c'est bon. Donc, il génère. Alors, ça prend de plus en plus de temps parce qu'il y a de plus en plus de feuilles au bout de votre arbre. Voilà. Après, il va faire une autre fractale dont je vous parlerai après. Là, c'est un peu long, forcément. Donc ici, le premier point tout seul avec rien, puis je vais créer un fils. Enfin, oui, je me suis... Ah oui, d'accord. On s'en fout. Quel est un? Il a quatre fils. Vous avez de nouveau chaque nœud a trois enfants. Vous ne me croyez pas quand je vous dis que c'est des triangles, mais en fait, si. Et bon, vous arrivez mieux à lire Gravvis que Gitka, c'est normal, moi aussi. Donc on peut prendre la sortie de GitLog, GitLog, pretty, machin. Demain. J'attendrai que ça. Je le ferai pendant sa démo qui marche. Et à la fin, je sors un fichier dot que je convertis en PSG, en PNG ou alors avec Toupie, vous verrez. C'est pas très intéressant. Quatre enfants. Chaque enfant en a trois. Donc, alors évidemment, là il y a des flèches, donc c'est pas un vrai graphe de Kelly. Il y a une personne dans la salle qui sera d'accord. Voilà. Et puis là, c'est pété. Mais ça marchait quand j'ai testé ma démo, mais après c'est encore pire. Voilà. Et Sierpinski, vous commencez pareil, puis vous en rajoutez, puis encore, puis encore, puis encore, puis encore. Alors, je regarde où est le sens des flèches pour savoir où pointe la branche. Hein? Et donc, vu le sens des flèches, la branche pointe ici, et du coup, comme c'est deux parents, c'est cela, et hop, ça redescend tout. Et donc évidemment, quand on l'a construit, on l'a construit par en bas. C'est 3. Tout soit plus également. Bon, donc on peut s'amuser avec les arbres dans le Git. Et qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme arbres, à part les fractales de machin, qui ne sont pas des arbres. Un exemple d'arbre? Je crée un dépôt dans TMP Family. Donc évidemment, vous ne voyez pas bien les couleurs. Mais c'est mon arbre généalogique. Donc il y a moi, là. Moi, là. Voilà. Mon frère, mais on n'est pas connecté puisque nos parents ne sont pas dans l'arbre. Ma femme et mes deux filles. Alors maintenant, je vais rajouter mes parents dans l'arbre. Ah bah, voilà, mes parents.
Donc, il est là, voilà, mon papa, ma maman, et donc je suis bien leur enfant, et mon frère est aussi leur enfant, puis du coup, on a mis sa femme, et puis j'ai mis les enfants de mon frère, et puis voilà. Alors, si on regarde bien, regardez par exemple, souvenez-vous de ce commit-là, 21D de C7B. Maintenant, je vais rajouter encore, parce que plus on remonte dans le passé, plus j'ai de la famille. Donc, on en rajoute encore. Qui c'est qu'on a rajouté là? Personne, je pense pas. Non, Michel, il était déjà. Ah, il a dû rajouter les parents de ma femme. Donc, on s'en fout, parce que ça ne change rien pour moi. Et là, on a rajouté ma grand-mère, mon grand-père, et donc, j'ai changé. C'est normal. On a plus d'informations sur mon ADN a changé, voilà, je ne suis plus la même personne. Donc, qu'est-ce qui se passe là, en fait? J'ai une commande, j'ai une ligne de commande qui, en gros, chaque personne là-dedans est une branche, donc il y a une branche qui pointe dessus. Ses enfants, donc ça se lit à l'envers d'un graphe, enfin, c'est un graphe guide, donc c'est l'envers d'un arbre généalogique, les enfants sont en haut. Les enfants sont des merges entre leurs deux parents, si on connaît les deux parents. Et donc, à chaque fois que je rajoute un parent, ça modifie son enfant, et donc il faut reconstruire une partie de l'arbre, puisque l'enfant changeant d'identité au sein de la base d'objet Git, on recrée un nouveau commit, et il faut qu'on déplace tous les autres commits. Donc ça pose un problème d'identité finalement. Un commit dans Git, son identité, c'est son SHA1, mais pour moi qui regarde ce dépôt-là, l'identité d'un commit, c'est pas son SHA1, c'est l'information qu'il contient. Et quand je rajoute de l'information, pour moi c'est toujours la même chose, toujours la même personne, mais il faut que je recrée un nouveau commit, que je remette la branche dessus, que je déplace tous ceux qui en dépendent. C'est un petit peu de travail. Voilà, alors on continue. Alors évidemment, comme tout à l'heure, donc là c'est mon arrière-grand-père, les arbres Git, c'est pas très facile à lire, même avec Git K. Ressemble l'arbre, donc chaque commit est une branche. Ils y sont tous, j'ai même des cousins lointains. Enfin, voilà. Pour rigoler, la date de naissance pour les gens que je connaissais est la bonne. Donc il faut savoir que la date dans Git, c'est un nombre, c'est pas un nombre sur 32 bits ou 64 bits, n'importe quoi, c'est un nombre, c'est une chaîne avec des chiffres dedans. Donc vous pouvez faire un commit. 5 milliards de secondes après le 1er janvier 1970, à minuit. La plupart des outils vont être infoutus de vous montrer la date, mais la date sera correcte quand même. Donc si les dates sont pourries dans Git dès que vous faites des trucs après 2038, c'est de la faute des outils, c'est pas de la faute de Git. Alors le truc intéressant avec ça, c'est que bon, là il y a trop de monde. Hein. Donc, on va juste regarder, par exemple. Largement suffisant. Voilà, ma fille qui est née il y a un mois et demi. Voilà, son arbre généalogique à elle. Alors forcément, Git, il sait très bien faire ça. Alors, j'ai pas eu le temps de coder la démo suivante et ça tombe bien, j'ai plus de temps. Ce qui est intéressant avec ça, enfin, ce que ça montre, c'est qu'on peut aller très loin dans la manipulation des graphes, des pots Git. Un truc intéressant, une application pratique de ça, il n'y en a pas, mais un truc qui serait rigolo à faire, c'est d'associer à chaque personne un arbre de fichiers qui concerne cette personne, toutes les photos dans lesquelles il apparaît, etc. Vous allez me dire, oui, mais les photos, il y a deux personnes qui apparaissent. Eh bien, c'est pas grave, on les met chacune dans l'arbre de chaque personne. Et comme Git est efficace au niveau de l'occupation disque, vous pouvez mettre la même photo chez tout le monde, elle sera stockée qu'une fois dans l'arbre. Parce que la photo, c'est un fichier qui est un blob, un ID. Donc, ce qui est intéressant là, c'est vraiment cette notion de recréer des commits. Ça peut permettre, le seul outil utile que je n'ai pas eu le temps de réécrire pour utiliser Git Repository, c'est un outil que j'ai écrit pour nettoyer la sortie de Git SVN, qui vous montre les choses telles que SVN les voit. En général, ce n'est pas beau. Et donc, dans une phase de migration de SVN à Git, ce qui est intéressant, c'est de représenter l'histoire telle qu'elle s'est passée, plutôt que l'histoire telle que la voit SVN. Et pour faire ça, j'ai fait un programme donc je prends la sortie de Git log qui me donne l'ID du commit,
l'ID du tri, donc les fichiers associés, l'ID des parents. Je mets ça dans un fichier texte. J'édite les lignes qui ne me plaisent pas. Je dis, tiens, tu mettras un tag ici, tu mettras une branche là, ce commit-là, tu l'enlèves et tu fais pointer le suivant vers le précédent. Donc tout ça en utilisant les ID des commits de l'ancien dépôt. Et le programme relie tout le fichier, recrée les commits, donc la plupart vont être identiques. Et dès qu'on commence à changer quelque chose, il va créer un nouveau commit, il va garder la trace de le mapping entre l'ancien ID et le nouvel ID de ce commit qui pour moi est le même. Et tous les commits qui vont en dépendre vont de nouveau résoudre les ID. Donc ça, en gros, ça recrée un historique qui correspond à la réalité que vous voulez montrer, plutôt qu'à l'idée complètement foireuse que SVN en avait. Et c'est assez utile, mais évidemment, comme disait Tom tout à l'heure, si vous commencez à faire des saloperies comme ça dans votre dépôt Git, évitez de le publier au milieu. Parce que les gens qui clonent vont récupérer les états intermédiaires et ils seront publics et donc n'importe qui. Enfin, voilà. C'est des choses à faire dans le secret de votre. Oui, tu as montré un slide tout à l'heure avec un objet $commande qui permet de wrapper tes commandes Git de manière assez séduisante avec stdin, stdout, le PID, une fois qu'elle est fermée, le code statut de l'erreur, éventuellement le core dump, etc. Je me suis dit en voyant ce slide, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un autre package qui se cache derrière qui serait complètement générique à n'importe quelle commande? Et parce que ça serait super pratique pour des autres choses. Voilà, IPC run. Mais est-ce IPC que c'est open 3, IPC open 3. Ben, si ça existe déjà, pourquoi c'est réécrit dans. Ou alors j'ai pas compris. Parce qu'il fait pas ça, IPC open 3. Ben, mais c'est IPC open 3, tu lui donnes des files en. Oui, mais ma question, c'est ça me plaît. Et si je veux m'en servir pour autre chose que Git, est-ce que finalement ça veut pas dire qu'il y a. Tu veux que j'en fasse un projet et que le mette sur. Ben, finalement, c'est une syntaxe plaisante et ça se justifie en dehors de Git. Il y a d'autres modules qui permettent de récupérer l'entrée standard. Comme ça, il y a Capture Tiny. Il y a IPC. J'en doute pas, mais ce qui me plaît, c'est l'interface, cette classe-là, et je trouvais que que ça sortait du scope. Et sinon, juste un petit détail, demain, on fait un lightning talk avec Franck sur un projet qu'on a fait qui repose sur Git Repository. Pour les gens qui sont intéressés pour continuer, un user. C'est demain, lightning talk.